Bonjour. Hello. My name is Simon Bro, As Director and CEO of the Canada Council for the Arts, I'm extremely proud to welcome you to this presentation of the 2014 Governor General's Literary Awards. These awards are amongst the most prestigious literary awards in Canada. Chaque année, le Conseil des arts du Canada remet plus de 400 dollars aux auteurs Et aux éditeurs pour souligner l'excellence de leur réalisation dans 14 catégories. The books are selected among 1,000 submissions. And uh, here are the winners. Le prix euh, littéraire du gouverneur général 2014 en littérature jeunesse, texte, est remis à Linda Amiot pour Le Jardin d'Amsterdam, publié chez l'Omeac Éditeur. Félicitations! Avec Le Jardin d'Amsterdam, Linda Amiot nous offre un véritable roman policier du cœur. Une œuvre tout en finesse sur la puissance de l'amitié. D'une écriture impressionniste et quasi musicale, ce roman fait un pont entre les générations et nous rappelle que, face à l'amour, nous sommes tous vulnérables. Il faut dire que quand je commence à écrire un roman, je connais le début et je connais la fin. Mais ce qui se passe entre les deux, j'en ai aucune idée. Alors, je, je savais que Hélène, le, le, la jeune fille, rencontrait la vieille dame, Adèle, au début. Euh, mais... Cette amitié-là, la force de cette amitié-là m'a beaucoup euh, étonnée moi-même. Je me suis euh, surprise à découvrir ça euh, et j'imagine que les lecteurs le découvrent aussi, euh, en même un peu comme moi, je l'ai euh, découvert quand j'ai écrit le roman. The 2014 Governor General's Award for Children's Literature goes to the book. when everything feels like the movies written by raziel reed and published by arsenal pulp press congratulations. an edgy and uneasy story with no simple resolutions raziel reads when everything feels like the movies is unflinching an openly gay teen in a small minded town jude rothsay's fantasy life is a movie but his real life isn't. He's audacious, creative, rude, often hilarious, and sometimes heartbreaking. He's unforgettable. Winning a Gigi Award for my debut novel is an arrival befitting of my narrator, Jude, the self professed legend in When Everything Feels Like the Movies. It feels like the Governor General is putting a crown on my imagination, and it's my new best friend. Le prix littéraire du gouverneur général 2014 dans la catégorie Littérature jeunesse illustration est remis au livre Le Lion et l'Oiseau, écrit et illustré par Marianne Dubuc et publié par les éditions La Pastèque. Félicitations. Le Lion et l'Oiseau de Marianne Dubuc est une œuvre remarquable où l'histoire prend forme par sa poésie visuelle. Avec son regard empreint d'une douceur et d'une sensibilité des plus touchantes, l'illustratrice nous berce au fil du temps et les émotions avec une simplicité et une justesse désarmantes. La surprise avec ce livre-là, c'est beaucoup la réception qu'il a eue. Parce qu'en fait, en mettant si peu de texte et en laissant beaucoup de pause et d'espace et de silence dans le livre, euh, je me suis rendue compte que les gens qui le lisaient le, le, le recevaient de façon très personnelle. En fait, chaque personne va un peu combler les, les vides ou enfin fait, les, les nourrir de ce qui les touche. Et euh, c'est ce qui fait que beaucoup de gens me disent que, 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 les, que ça les a beaucoup touchés, que ce livre-là est important pour eux. Donc, euh, j'ai été bien surprise de sa, sa portée. Due au silence y a dedans. The 2014 Governor General Award Children's Literature Illustration goes to the book This One Summer, illustrated by Gillian Tamaki, written by Mariko Tamaki, and published by Groundwood Book House of NNC Press. Congratulations. The tender and touching story of this one summer comes to life with Gillian Tamaki's cinematic and evocative illustrations. Fondness for detail, insightful character development, and realistic body language convey complex emotions from the first through to the last page. A tour de force of powerful visual storytelling. I would say the book is about tension. It's about tension between your summer life and your real life. It's about the city and rural, it's about men and women, and husbands and wives, and children and adults, and the tension between within yourself as well. Um, but that is the emotional core, but I would also say it's really an attempt to capture the sense of summer, the melancholy of summer, and the um, sensory experience of summertime in Ontario. Le prix du Gouverneur général en littérature 2014 pour une traduction de l'anglais vers le français est remis au livre L'Indien Malcommode, un portrait inattendu des Autochtones en Amérique du Nord, traduction de Daniel Poliquin, publié chez Boréal. C'est la traduction de The Inconvenient Indian, A Curious Account of Native People, écrit par Thomas King et publié par Doubleday Canada. Félicitations. Dans son audacieuse traduction, L'Indien Malcommode, Daniel Poliquin transmet avec vigueur, intelligence et une grande liberté créatrice l'humour corrosif de Thomas King. Le rythme débridé et la variété des registres présentaient des défis considérables que le traducteur a relevés avec une intrépidité et imagination. Quand on écrit et quand on traduit, on se prend nécessairement pour un autre, hein? on devient un autre. Alors, évidemment, étant auteur, je, je suis le, le, le père de plusieurs personnages, ou je me fais moi-même personnage, et quand je traduis, c'est la même chose, je deviens l'autre auteur, j'écris avec sa main, ni plus ni moins, et c'est comme ça qu'on finit par s'approprier le, le livre, enfin, non pas une traduction, mais une nouvelle création, en français, cependant. Toute la différence est là. The 2014 Governor General Award for translation from French to English goes to the book Paul Émile Borduas, a critical biography, translated by Peter Feldstein, and published by McGill Queen University Press. This is the translation of Paul Émile Borduas, 1905-1960, Biographie Critique et Analyse d'Œuvre. Written by Francois Marc Gagnon and published by Edition Fidès, Congratulations. Peter Feldstein's translation of Paul Emile Bourdois, A Critical Biography, is a masterful, fluid, luminous, accurate, and exhaustively researched work. His translation is a tour de force that breathes new life into Francois Marc Gagnon's groundbreaking biography of this major Quebec artist an astonishing accomplishment what you get when you read this book is you get a you can really delve into um, in some ways what is a lost era in um, in this province in our in our history a time when it was still dangerous for a person to hold radical views about art and about society and uh, this was the case for paul-émile Bourgeois, who wrote the famous refus global um, his manifesto about, uh, in which he tried to free himself and his fellow artists from certain constraints that were, were placed on him by, by society at that time Le prix littéraire du gouverneur général 2014 en poésie est remis au livre Anarchie de la lumière écrit par José Aclin et publié par les éditions du passage Félicitations Anarchie de la lumière, ce recueil du mûrissement du verbe au style remarquable est un don tout simplement. La poésie de José Aclin est d'une lucidité méditative, dont les propos sont des échappées lumineuses sur notre présence. Ce sont des vers apaisés qui disent Les yeux sont toujours la façon la plus rapide d'aller au ciel. La simple sensation de la lumière, c'est la mort du néant, la mort de la nuit sentir la lumière, c'est la mort du néant, c'est la mort de la nuit. et c'est donc une invitation lancée aux lecteurs, aux gens qui vont le lire, pour dire: il y a un espoir incroyable dans cette capacité de la lumière à nous saisir et à nous faire sentir vivants. The 2014 Governor General Literary Award. for poetry goes to the book lake of two mountains written by arlene pare and published by brick books congratulations. arlene pare's lake of two mountains is a poem of sustained beauty an almost monastic meditation on the overlapping centers of human and natural reality whether she is describing the oka crisis bullfrogs sunbeams or religion. Anything that passes through this shape shifting landscape is transformed, including the reader. Because this book is a book of love poems, and because I began to think of the lake as sacred in a way, the way we do sometimes about our geography, I think it finally got into me how my writing practice was um, a spiritual practice, this writing of poetry. to me is a little bit not to sound too cheesy but a little bit sacred so i hadn't anticipated that le prix littéraire du gouverneur général 2014 catégorie théâtre est remis au livre small talk de carole Fréchette, publié chez le meac éditeur acte sud félicitations Grâce à une impressionnante galerie de personnages dans une langue d'une grande inventivité, Small Talk de Carole Frichette présente l'extrême vulnérabilité de ceux qui ne parviennent pas à communiquer avec leurs semblables. À force de chercher le mot juste, la formule parfaite, on perd de vue l'essentiel le véritable contact avec l'autre. J'ai beaucoup douté de ce sujet au début, que je trouvais banal et anodin, et je me disais, il y a tant de choses euh, qui vont mal dans le monde, et j'ai écrit des pièces sur des sujets plus graves. Et là, je me disais, mais est-ce qu'on peut vraiment faire une pièce euh, sur euh, un personnage qui a la difficulté à faire la conversation et, mais avec quelque chose qui m'attirait là-dedans et je pense que c'est ça que ça m'a enseigné. Vraiment, c'est de faire confiance à nos, à nos intuitions, à nos pulsions et faire confiance aux petits sujets parce que les petits sujets, ils contiennent les grands. The 2014 Governor General Award for Drama goes to the book Age of Minority. Three solo plays written by Jordan Tanahill and published by Playwrights Canada Press. Congratulations. Jordan Tannehill's Age of Minority is rife with vivid and fragile characters and includes trailblazing storytelling. His unlikely heroes demonstrate the power of youth and love in a hostile world. He is an exciting and courageous voice of our time who gives us a collection. Full of imaginative and playful imagery. There's always uh, a tension when working with uh, material based on true stories uh, between honoring the, the voice and uh, integrity of the, the real life experience uh, and, and that of the victim world that you're trying to create, uh, one in which there's a dramatic arc and there's an emotional pathos and uh, a potentially a political thesis that you're trying to explore. Le prix littéraire du gouverneur général 2014, catégorie Essai, est décerné au livre Tenir tête de Gabriel Nadeau-Dubois, publié par Lux Éditeur. Félicitations. Tenir tête de Gabriel Nadeau-Dubois nous fait entrer dans les coulisses du printemps 2012 pour nous faire entendre ce que le gouvernement n'a pas voulu écouter et ce que les médias n'ont pas toujours su relayer. Dans un style simple et direct, et soulève la question de l'avenir de la démocratie. C'est sûr que la réception de Tenir tête, ça a été une magnifique surprise pour moi. Ça a été une magnifique surprise de voir qu'on euh, reconnaissait à ce texte-là une valeur puis une contribution intellectuelle. Puis je ne l'ai pas pris personnellement. -à pour moi, c'était de dire on reconnaît enfin à ces idées-là qui sont pas les miennes qui, ben, qui sont les miennes mais qui sont surtout celles de, du, du mouvement en 2012 on leur reconnaît un apport à la réflexion politique au Québec. Ça pour moi ça faisait du bien après toutes les, toutes les bêtises qu'on a lancées aux étudiants et aux étudiants. The 2014 Governor General's Award for non-fiction goes to the book The End of Absence Reclaiming What We've Lost in a World of Constant Connection. Written by Michael Harris and published by HarperCollins Publishers. Congratulations. Michael Harris's finely crafted book, The End of Absence, marks the arrival of a surprisingly authoritative media savant in the grand tradition of McLuhan, Fry, and Innes. His book opens a profound vista on an elusive but important phenomenon the technology that will change us forever. I guess by the end of it, people wanted me to have an epiphany. They wanted me to become uh, this person who uh, was able to walk away from online life uh, and experience digital detoxes whenever he wanted. But the truth was that I was just as. Enmeshed in this online world as anybody else. Le prix littéraire du gouvernement général 2014 dans la catégorie romans et nouvelles va au livre Bondré par André A. Michaud, publié par Québec Amérique. Félicitations. Armé de son don pour les ambiances troubles et de son style somptueux, André A. Michaud campe un univers sombre et lumineux. Roman en fragile équilibre sur la frontière entre passion et meurtre, Bondry nous laisse éblouis et blessés avec cette histoire de traumatisme, d'amour et d'enfance et des lieux qui ont gardé leurs traces. Bondry m'a appris une grande leçon d'humilité parce que euh, euh, même si on prend du métier, même si euh, ça fait... Euh, 20, 25 ans, 30 ans qu'on écrit, on se rend compte à chaque fois que c'est toujours un nouveau défi et que c'est jamais gagné d'avance et qu'il y a toujours une somme de travail incroyable à faire pour parvenir aux résultats escomptés. Voilà, je pense que c'est euh, une leçon qui se répète de roman en roman. The 2014 Governor General's Award for Fiction goes to the book. The Back of the Turtle by Thomas King, published by HarperCollins Publishers. Congratulations! The Back of the Turtle is a novel that joins Thomas King's mythopoetic vision to his writerly grasp of an actual sensual world. Gabriel Quinn's life in dystopia is peopled by vivid characters and possibly redeemed by persistent hope. This book sounds like tomorrow morning's news. Uh, the Iro I Iroquoian uh, uh, stories have the world on the back of a turtle, so that's where that comes from, and uh, it's it's a nice image because, in some ways, there's a kind of protection for the for the world, and in some ways, there's a kind of fragility to the world that uh, it could slip off that back at any point in time. We certainly do try to roll it off her back or kick it off her back. We do our very best to destroy that, uh, that, that very lovely place that we have. this concludes our presentation of the 2014 winners. these are great books, great worlds to explore. je vous invite à prendre connaissance, à lire ces livres, à suivre surtout uh, toutes les conversations dans les médias sociaux, dans les médias traditionnels, autour de, de ces livres. This has been a great year, and we want to congratulate all the winners and all the finalists in the 14 categories. Thank you. Merci beaucoup. Bonne lecture.